Tout va bien. C'est le moment de Brain YouTube, ok? On lance une game de rock, peut-être. On fait comme si on faisait un stream normal, ok? Tranquille. C'est un stream normal. On n'est pas là pour baiser les gens. On n'est pas là pour niquer YouTube jusqu'au trognon. Pas du tout. Voilà. Petite game de rock test, tranquille. Et voilà, bon, à tout moment, une nouvelle masterclass. En plus, on est tombé sur un match-up. En plus, absolument exceptionnel. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on n'est pas parti ici pour une nouvelle masterclass? Il faut le dire aux Français qui nous écoutent. C'est peut-être une nouvelle masterclass. On veut le guerrier BDSM. Ah bah le guerrier de Strapontin, évidemment. Mais venez mercredi. Dans évidemment la decklist de la mort, on aura des nouveaux decks. Voilà, alors évidemment, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, hein, on est à 22-9 avec le voleur test en plus. Hein. On est à 22 victoires pour 9 défaites avec cette nouvelle version de voleur test, évidemment. Et ça, ça fait plaisir. Il faut le dire. Oui, 22-9 avec le voleur test, absolument. Tout à fait. 71% de win rate avec le deck. Il faut le dire, hein, aux gens qui nous écoutent. Hein. Il faut leur dire. C'est important qu'ils aient l'information. Alors, on va faire un petit. Oh, c'est une game incroyable, parce qu'on a, déjà la manœuvre. Mais là, l'idée c'est qu'on ne jouera pas espionnage académique tant qu'on n'a pas récupéré Tess, ok? Tant qu'on n'aura pas récupéré Tess, on ne jouera pas l'espionnage académique. Ça, c'est important de le dire, ça. C'est important de le dire aux Français qui nous écoutent. C'est important de le dire. Et les caméliorés. Ok. Petit éventail de couteau, hein. Tranquille, Emile. Voilà, nickel. Petit éventail de couteau, voilà, magnifique. Alors, il joue guerrier bombe. Donc potentiellement, attention, il peut nous mettre la pression. Attention. Et oui, bah c'est quand même incroyable, 22-9 avec le voleur test, ça fait quand même un super ratio, quoi, je veux dire. Hein. Ça fait un ratio formidable. Alors, on joue pas de pet arme, malheureusement, dans notre petite version familiale du voleur test. Mais voilà, on a croisé tellement peu de voleurs en plus, donc ça fait plaisir, ça. Alors, on fait quoi? Esprit du Rhino, voyou du Hamahal. Ok, on récupère le sort à découvrir. Petite préparation pour Prep Street, là. Petite préparation. Écoutez. Pillage, j'ai envie de dire, c'est fin, ça se mange sans fin. Ça ramène deux cambrioleuses. Et on sait que quand il y a deux cambrioleuses, en général, ça. C'est assez jouissif, je veux dire. Globalement. Donc bon. Ok. Alors là, c'est chiant, par contre, parce qu'il fout deux bombes dans le deck. Bon, ça pourrait être pire, hein, tu veux me dire, mais. C'est un peu chiant quand même, quoi. C'est un peu chiant. On n'a pas d'armes dans le deck, donc bon, ça va peut-être. Ok. On fait du coup backstab. Non, pas besoin de backstab, on fait pillage. On récupère deux cambrioleuses. Voilà. On fait Evis et on redécouvre un spell. De préférence, un sort qui fait piocher ou. Oh... Allez, un troisième espionnage académique. Ça fait toujours plaisir. On sait jamais, parce qu'il y a peut-être des aussi dans sa version. On sait jamais. Ça fait toujours plaisir à la famille, ça. Ok. Ok. Nouvelle voilà incoming, talk menteur du ML. Aïe aïe aïe, ça va être dur là. Le Dr. Woman Curve là. Ça va être chaud, ça. Hein. Alors là, les amis. Ça va être chaud du cul, ça, quand même. Hein. Il y a quoi? Il y a 3 bombes dans notre deck, là. Hein. 4. Non, 3 bombes. 3 bombes dans notre deck, là. On a plus que 2, là. Ok. Malin. Putain, ça fait mal, là. Ça fait très, très mal. Cambrioleuse. Ouh! C'est bon, ça. C'est excellent, ça. Attendez. Ça, c'est excellent, ça. Renard. Du coup, alors, backstab une 1-1 pour pas discard. Mais on est content. Attendez, mais c'est excellent ça aussi. Parce que en fait, cette carte là elle se relance à chaque fois sur Tess en fait. Mais là, il faut juste pas qu'il ait Dr. Boom là. Sinon, c'est un peu la merde méga beaucoup. Faut juste pas qu'il ait Dr. Boom 7-7 on curve là, c'est tout. Juste ça. S'il a pas ça, on est bien. Ok, nice. Excellent. Ça va être quand même tendu comme partie à mon avis. Ok. Oh, ça va être tellement une masterclass quoi. Ça va tellement. Tout ça, en plus, on passe rang en plus, hein. On passe rang, hein, attention. C'est vraiment ce grind légende avec voleur test, ça fait tellement plaisir, quoi. C'est vraiment un deck. J'adore grind avec. Est-ce que. Double cairn. Là, c'est double cairn ou la bite, là. On peut me faire ça avant. Là, c'est double cairn ou je m'y connais pas. Alors, gardien pourpre, quoi. Double gardien pourpre ou double marche soleil? Moi, je suis plus team gardien pourpre, hein. Gardien pourpre, c'est super fort, ça fait des éventails du couteau à 3, c'est trop bien. Et non, c'est excellent. Non. Wingardien et Viosa comme on dit. Ok. Dans tous les cas, avec 4-5 Marche Soleil, on n'a pas spécialement besoin du bouclier divin pour l'instant. Hein. Ok.
Ouais, et l'armure up sur l'armure, ça va pas se jouer à ça. On a pas encore pu piocher des masses hein, pour le moment dans cette partie, c'est un peu le bas blesse, je dirais. On peut faire encore une cambrioleuse ici. Oh le balayage, ouf, c'est n'importe quoi. Non mais là si on arrive, ça, on aura même pas besoin de faire tèche, je pense qu'on va trop lui casser la gueule à mon avis. On va trop lui casser la gueule, on a une main là, regardez là, la pression que met cette main, regardez. Je veux dire, l'investissement de la main sur le board, comment dire, la prise de board, merveilleuse je veux dire, merveilleuse la prise de board, extraordinaire. Extraordinaire cette prise de board. Ok. Il a déjà... Oh baston. Il a déjà pioché toutes ses ruées. Ça alors. Ouais. Et oui 29 avec le deck hein, pour ceux qui viennent d'arriver hein. 29 hein. Bon on perd la baston. C'est le genre de game où on a envie de faire un hurle sans face hein, pour qu'elle revienne sur tes. Préparation. Alors attendez, backstab. Préparation. Sprint. Ah merde, j'ai oublié qu'il y avait des bombes. Oh putain, attendez, ça met un peu de piment dans la game ça. Coffre-fort, c'est bien, c'est un peu joué. Putain, mais nique sa mère les bombes! Non, mais attendez, c'est la merde, y'a plus de bombes là-bas. Y'a plus de bombes, je crois, c'est bon, ok. Mais tout va bien, on est bien. Bon, par contre, on a joué Ziliax. Ouais, c'est un peu. On est bien, c'est vite dit quand même. Non, mais ça va le faire. Non, mais en vrai, c'est impossible que je perde cette game. Ah, y'a le zap, ah, quand même. Non, mais quand même, à tout moment, c'est la bite quand même, hein. Je veux dire. Quand même. Quand même, à tout moment, là, c'est. Ah ça c'est ma carte préférée ça. La 4-5 pour 4 qui met 10 points de mana, qui met 10 points de dégâts et carrué en plus hein. C'est vraiment une carte super. En termes d'équilibrage de la carte c'est vraiment une masterclass quoi de Blizzard. Oula, encore une bombe dans mon deck là. Oulala, attendez, c'est un peu la hesse quand même là. Comme on dit chez les jeunes. Comme disent les jeunes de quartier. Les jeunes de quartier. Oh non mais attendez quoi. Attends mais y'a plus de bombe dans mon deck, on est d'accord là. On est d'accord. Ok. Vendetta. Balayage. Donc j'appelle, il est absolument hors de question de faire espionnage avant d'avoir eu Tess, évidemment. Non mais en vrai il a plus de bombe là bientôt. Non mais là, il a plus de bombe, je crois. Il a eu les deux. Non, il reste une arme. Non mais si la deuxième arme c'est la merde, quoi, je veux dire. Oh attends. Ça peut être la bite en fait là. Ça peut ruiner tous nos plans. De quel plan je parle, ça ne vous regarde pas. Ça peut ruiner tous nos plans. Ok, on a Tess. Nice. Ok. Double espionnage. Bim. Bim. Donc là évidemment tout l'objectif de l'opération. C'est et vise pour vider la main. Tout l'objectif de l'opération maintenant, c'est de récupérer quoi, Vladimir Tank, de récupérer des cartes qui donnent de l'armure évidemment. Attends, on peut mettre 13 tests dans le deck. Nouvelle masterclass! Le plan qui se déroule comme prévu. Il n'y voit que du feu, le chat. La 4-5 pour 1 qui fait 10 points de dégâts carrués. Elle est pas ruée. Et là, son Dalton et des favelas. Thank you.
Hein? Allô? Une nouvelle masterclass pour le meilleur test. Et voilà. Et voilà. 23 victoires, 9 défaites avec cette toute nouvelle version inédite du voleur Tess. Moi je sais pas quoi vous dire, ça fait plaisir quoi, voilà. C'est le beau jeu. Magnifique.